Petit générique noir, fondu au noir, parce que vous avez peur du noir et que en ce vendredi soir, il fait déjà très noir. Un petit stream pour remettre des pieds dans Echo. Alors Echo, je sais pas si vous vous souvenez, regardez les streams voisins, vous allez pouvoir remonter peut-être 4 épisodes en arrière. C'est ce petit jeu sympa d'infiltration. Enfin petit, je sais pas, il est peut-être grand. Et donc, en fait, son gros intérêt, en fait, c'est de mélanger un gameplay temps réel avec quand même une espèce de tour par tour, car toutes les actions ne sont pas disponibles à volonté. Alors, on va peut-être se mettre dessus, ce sera mieux. Oh, Marvelous. Vas-y, madame, respirez. Et donc ce soir, je me suis dit, on va se partager un petit stream tranquille. Enfin, tranquille pour vous. Pour moi, il va être juste dramatique. Oh mon Dieu, ma fenêtre est toute merdée. Ça, c'est déjà dramatique. Il faut que je recadre ça 2 secondes. Et donc oui, le stream en lui-même, ça m'empêche pas de parler en même temps. Il va être un petit poil longué, je pense. Parce que, c'est une salle où il y a beaucoup d'objectifs, en fait. Il y a énormément de... Comment dire? Comment ils appellent ça dans le jeu d'ailleurs? Je ne me rappelle même pas. Enfin, il y a des petits checkpoints, il faut tous les activer, enfin tous passer dessus. Et il y en a une quantité, vous allez voir, c'est assez éloquent. Et quand vous connaissez mes talents pour l'infiltration, vous avez déjà de quoi un petit peu vous marrer d'avance. N'ayons peur de rien. Je m'aventure dans le bousin. Je vais peut-être monter le son, tiens. Parce que j'ai baissé celui du jeu. Je vais t'en profiter de la boîte. C'est vendredi, c'est Père Marie. Alors je rappelle que le but du jeu quand même c'est de se cacher à la base. Car nos petites pépettes qui sont. Je pense que j'en ai une dans le coin là, non? Même pas. Ça c'est tout ce que je dois réactiver sur le niveau. Et notre petite pète-pète, personne, c'est étrange. Moi je descends, moi c'est personne. Y a presque personne. Voilà. Donc mes clones, que le palais a la bienséance de générer, ont les capacités d'apprendre toutes les actions que je suis en train de faire. Le seul moyen que j'ai de me tirer à bon compte de tout ce merdier, c'est d'attendre le moment où les lumières vont s'éteindre et il y aura une trentaine de secondes, grosso merdo, où le palais va être rendu complètement aveugle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il sera incapable d'apprendre à ses clones tout ce que je vais faire comme action. Donc je vais faire ma grosse belette. Là, par exemple, ça, c'est une action qu'il saura faire la prochaine fois, éventuellement, si vous voulez. Ce qui n'est pas pour me réconforter ou peur de madame. Elles sont en train d'apprendre à se régénérer, ce qui n'est pas forcément une super bonne idée dans ma position vu la quantité qu'il y en a. Ça va super bien se passer, je pense. Cycle nuit. Alors, toutes les actions que je fais à partir de maintenant, le palais est incapable de les enregistrer ou de les apprendre. Et moi, je vais surtout en profiter pour me barrer, je crois. Parce que là, je suis pas très confort, à vrai dire. J'espère que j'ai pas sauté au milieu de. Ah bah si. J'ai sauté au milieu de notre mascara, c'est cool. L'attention. Toujours rester détendu dans ce jeu. Faut toujours. Ah, pardon. Non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Ça va super mal se passer. Putain de bordel de merde. Et en plus, ça apprend à courir. C'est ça qui est pas très très agréable en fait. C'est que toutes mes conneries, elles les apprennent. Alors, tu sais pas où elles portent, j'espère. Avance. Oh putain de bordel de merde. On sent le mec totalement détendu. Détendu total. C'est la mort! C'est la mort!
Non mais deux c'est la mort, deux c'est la mort, ça marche pas. Oh putain, le cul bordé de nouilles en plus. Reste plus qu'un truc à faire, le jump. Oh putain, mais elles savent courir, hein. Alors j'ai un flingue, mais le flingue met tellement de temps à se recharger que il est vraiment très très sage de ne pas s'en servir. Putain de bordel de merde! Dégage! Laisse-moi descendre ce truc. Non! Non! C'est une catastrophe. Et je réapparais discrètement en plein milieu du niveau. Vous voyez la totale efficacité de mon infiltration. Du moins, infiltration, je dois être la parodie. Ah, maintenant, elles savent traverser l'eau. Ça, c'est une très pas bonne nouvelle pour moi non plus. Tu me vois pas? Regarde, je suis sous un escalier. Comment peux-tu me calculer sous un escalier? C'est pas possible. Non, là, tu as un don. Oh putain de saloperie de bordel d'eau. Scheiße. Scheiße de Schnitzel. Ah oui, moi, quand je m'affole, je parle en allemand maintenant. C'est une nouvelle technique pour pas dire des gros mots. Ouais, que je peux dire des gros mots en allemand. Je vais éviter pour l'instant. Je vais essayer de retrouver un point où je me redétends, mais c'est super mal barré. Je crois que je suis revenu exactement à l'entrée d'où j'étais. Donc je vais me jeter sur d'autres, hein, si vous le permettez. Détendons-nous. Écoute cette musique. Tu es zen. Tu es zen tout détendu. Alors, je te rappelle que quand tu ouvres une porte, il peut y avoir des personnes derrière la porte. D'où l'intérêt de ne jamais trop s'exposer, en fait. Mais non, t'as rien vu. Allez, c'est reparti, on se remet en mode infiltration. C'était grand n'importe quoi, là. Oh, mon Dieu de Zeus. Alors, ces boules blanches, là, que je peux ramasser, c'est une vraie saloperie pour les attirer. Ça leur fait quasiment aucun dégât. Donc, autant dire que ça sert à que de. Pour l'instant, autant que je me la joue tranquillou, quoi. Respire. Alors, les gens qui sont habitués aux jeux d'infiltration doivent se marrer, parce que, voilà. Je fais exactement ce qu'il faut pas. On sait rester caché. Bon, elle veut pas avancer, cette gare, ça me gonfle, là. Elle va se retourner pile au moment où. Et ça va être le drame. Non, faut pas, madame. Il y a du monde encore là. Parce que tant qu'à faire le ménage, je débarrasse tout le niveau. Comme ça, c'est propre et moi, je peux faire mes petites lumières bleues. On est d'accord. Allez. Donc, pour revenir à ce que je vous disais en intro, ouais, j'y suis presque. J'ai le droit d'y croire. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de lumières bleues. Là, j'y suis presque. Je crois qu'il te reste au moins 12. Donc là, si je me rappelle bien, le palais ne sait pas ouvrir les portes encore. Faut que j'y pense en cas de mode panique extrême. Mais normalement, je suis en mode infiltration, donc je suis super détendu, ça va super bien se passer. Non. Je te vois. Oh putain, non, mais non. Mais non. Elles savent tirer les codes. Oh putain, je suis mal barré. Désolé pour le langage, mais. Je sais pas qui c'est que j'avais derrière, mais c'était super pas terrible. Elles savent ouvrir les portes, zut. Putain. Cours, ma grande, cours. Planque-toi. Fais quelque chose. Non, on fait rien. Ouais. Si, cours derrière celle-là, défonce-la. Il court encore. J'ai super chaud. Ascenseur. Putain, mais il marche pas, votre connard d'ascenseur. C'est quoi ce bordel? Je ne suis nullement affolé. Par contre, ce qui est bien, c'est que la nuit, du coup, les lumières bleues, on les voit bien. Saute! Vas-y, ma bébête. Pff.
Il y a un moyen de se faire mettre en tension, hein, comme assez facilement. Tout le monde n'est pas sympa aujourd'hui. Tu fous quoi, toi? Oh putain, mais elle vient d'où? En plus, il y en a qui sont dogués. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Cours. Pense à redescendre, il y a encore un truc bleu en bas. Je sais pas combien il y en a, mais c'est juste inhumain. Ah, je cours, donc elles ont appris à courir, ces garces. Je suis super bien barré, je pense. Oh putain, pourquoi je peux pas escalader dans l'autre sens, c'est-à-dire monter sur des endroits? Putain de bordel de... Ça va super mal se passer. Mais tout le monde est là pour positiver. Et je sens que j'ai un soutien sur ce stream assez exceptionnel. Merde. Oh putain, mais il n'y a pas de bonus ici. Ouais, il peut pète. Avance. C'est vraiment la panique. Alors, j'ai pas lancé le tweet pour inviter les gens à regarder le stream parce qu'il y a vraiment de quoi se marrer. Si j'arrive à le passer, celui-là, il est mérité quand même. En plus, il y a des diapasons, il me semble, que j'ai complètement raté. Genre ça. Non, même pas. C'était quoi? Putain, il y a encore un bleu là-bas. Je vais être dedans, moi. Là. Elle m'emmène où cette porte en plus? C'est quoi ça? Ah, une sauvegarde, je crois. Oh purée, ça c'est. Ça c'est ouvrir. C'est pas bon ça. Vas-y, fais comme si j'étais pas là. Brems. Oh, purée de purée de purée. Et il m'emmerde ce palais immense. Non, je veux pas être tout seul dans le noir. J'en ai derrière, mais je sais pas où. Putain de bordel de... Eh, super mon infiltration, les gars, non? Eh oui, dans le métier, on m'appelle infiltrateur. L'homme qui vient s'infiltrer, mais qu'on repère un peu de loin parce que il a tendance à légèrement se mettre en mode panique dès qu'il y a le moindre truc qui fait une alerte dans son dos. C'est mort, mademoiselle, on l'a déjà faite, la blague, tout à l'heure. Oh, il suffit! Je vais pas refaire le même gag, là. Je vais monter un peu, ça changera. Non! 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 Trois pour moi, c'était beaucoup trop. Voilà, quand le gameplay du jeu atteint ce niveau-là, ça devient super intéressant. Parce qu'il commence à arriver vraiment des grosses misères. Y compris même quand on joue pas. Je vais mettre sur pause. Je vais mettre sur pause le temps d'envoyer le petit tweet magique qui fera rire tout le monde ce soir. Hop. Et puis ça m'empêchera pas de causer du coup. Donc ouais, en effet, Echo, c'est assez dingue pour ça. C'est que. Hop, donne-moi un petit coup de navigateur. Merci. C'est que en fait, ouais, il y a cette histoire d'actions qui sont du tour par tour quasiment.
et qui viennent vous foutre le bordel dans votre plan presque parfait qui se déroulait à la Rick dans The Walking Dead. Vous étiez là, genre, ouais, alors pour aller là, je vais plutôt faire ça et ça et ça. Mais en fait, il y a toujours une merdouille. C'est le principe apparemment du jeu. Et ça lui donne un petit côté excellent qui donne, on se fait trois fois le niveau, puis on perd. Et puis, enfin, il y en a qui gagnent, ça s'appelle des gens qui savent jouer à Mais voilà, on fait trois fois le niveau, puis on y revient plus tard. Et c'est toujours un plaisir du coup de se retrouver avec le challenge à la con, parce que c'est jamais super compliqué, mais c'est juste assez fin pour, si vous n'y mettez pas assez du vôtre, le jeu ne pardonne pas trop à ce niveau-là, quoi. Donc on reste bien sur de l'infiltration, c'est assez marrant. Revenons d'ailleurs à notre labeur. On va se tenter une deuxième fois le passage du niveau, mais je garantis rien parce que. Parce que c'est comme ça. Voilà, ouvre la porte, casse-toi. Et moi, je vais loin. Je me barre, quoi. Je vais commencer par là-haut. Et puis, on va faire ça méthodiquement. On va désinfecter l'eau. Et puis après, on s'occupera du bras. Tiens, salut, toi. Là. Comment je t'ai raté? Merde, comment je t'ai pas venu, toi? Merde, comment je t'ai pas venu, toi non plus? Why can't we be friends? 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 Je sais pas du tout où je vais atterrir, c'est le bordel, là, et voilà, j'en étais sûr. Dis-moi que tu vas pas dans l'eau, dis-moi que tu vas pas dans l'eau. Bon, à noter pour le prochain tour, elles vont savoir aller dans l'eau, ces garces. Ceux qui ont l'embouchure courant, on veut dire, c'est pas trop bien barré. Donc, la water, prochain tour, tu n'y comptes pas, mon ami. C'est foutu. Il va un pruneau. J'aime des pruneaux, maintenant. Moi, je joue comme ça, là, ça m'a un peu gonflé. T'arrives, t'essaies d'être sympa, tu fais des niveaux du haut d'abord parce que t'es serviable, quoi. Qui est là? Qui me parle? Le reset. Le reset. Foireux. Dégage. Je sais même pas ce que je fais là. Non, mais c'est bon là. Ah, ça s'est tiré, c'est pas mal ça. Je suis foutu. Sauf si ça ne s'est pas passé par-dessus. Ah, ça sera au prochain tour. Alors là, je vais être sympa avec moi-même. Ça, c'est pour l'emmerdement. Bon, prochain tour, ça s'est tiré. Ça s'est passé dans la flotte. Et ça, c'est probablement à courir. Non. Pas obligé. Putain de bordel de merde. Encore quelques-uns. Oui, encore quelques-uns. Encore 64, exactement. Comment se mettre dans la merde tout seul? Salut. Salut. Le jeu saccade un chouï, mais c'est normal. J'ose même plus ouvrir les portes parce que. Oh putain, mais ça vient de où ça? J'ai pas trop l'intention de vous laisser tirer. Sérieux? À secours, à secours. Oh,
je suis en plein milieu de la map. Pour reset, c'est pas terrible, terrible. Ouais, moi aussi, je fatigue. Putain, mais lâchez-moi. Stop à l'amour. Oh, mais compte-moi l'eau, ce truc. Espèce de saleté, là. Merde, je peux pas le recharger. Le chargement le plus long du monde. Voilà, mort par étouffement à cause d'un jeu. Donc vous voyez pourquoi c'est très très long avec moi. C'est que le jeu de surcroît n'est même pas gentil. Genre là, ça, il faut être sympa là. Non, pas envie. Oh purée, ça recommence. Oh purée. Te guigne. C'est cela, oui. C'est cela même. Eh, encore quelques-uns, mais là tu es à poil, tu n'as plus d'énergie et je ne veux pas spoiler, mais tu vas probablement mourir. Ah, regarde, il vient te voir. Toi, tu cours bien trop pour être quelqu'un d'amusant. Salut! Salut! Normalement, ça vous fait tomber dans les pommes quand j'appuie sur le diapason, c'est dégueulasse! Eh bien voilà, c'était le petit live de ce soir. Je vous avais promis qu'on rigolerait, c'était le cas. Donc, Echo, je confirme, c'est bien un jeu très très bourrin où il faut foncer dans le tas. Ça ne marche absolument pas. C'est un jeu aussi où il faut essayer de s'infiltrer, mais apparemment, il y a une mauvaise volonté qui est de mise vu que le jeu pipe les dés en sachant vos mouvements d'avance du coup. Donc, je continue de le recommander.
Parce que c'est un gameplay qui est quand même vachement frais, qui est vachement innovant dans toutes les cochonneries qui sortent. Et au milieu de tous les remixes de jeux quelconques, qu'on reloue à coups de 4K et d'artifice alors que le gameplay est toujours le même, eh ben, avoir un jeu comme Echo, ça fait toujours bien plaisir, même si, faut l'admettre, je joue comme une burde à Echo. Il n'y a pas de honte à l'admettre. Wally Wallou, prochain stream, je vous ai promis, enfin je fais la promesse solennelle de vous faire un stream comparatif de Project Cars 2 et Gran Turismo Sport. On va se faire un petit tour du circuit de Nürburgring. Et on va regarder la comparaison parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué entre les deux. Et c'est les versions console respectives que j'ai testées. Gran Turismo, je le spoil direct, hein. Gran Turismo a pris un coup de vieux, quoi. Mais un coup de vieux, c'est le coup de barre, quoi. C'est genre là où on rigole quand on ramène papy à l'intérieur dans ce fauteuil roulant. Il est en train de se faire démonter par Project Cars, mais d'une force qui est assez faramineuse. Je vous en dis pas plus, faudra regarder le stream pour comprendre. Je vous ferai bien voir justement les nuances et les différences qu'il y a entre les deux titres, et qui fait que même si on n'a pas forcément un volant à la maison, on peut passer un super bon moment sur un des deux. Lequel? Réponse au prochain épisode. Ciao!